Les gagnants est Arcos 91. Arcos 91. Bravo à toi. On l'applaudit tous bien fort. Le deuxième gagnant, c'est Gadjil. Oh, c'est Gadjil. Ah, quand même, ouais. je sais pas si le vote quand même ne récompense pas un petit peu les anciens quelque part. Favoritisme. Ouais, j'avoue, là, c'est quoi ce favoritisme? Il n'y a pas de favoritisme, il y a aussi des nouveaux qui ont gagné des trucs. Et le troisième gagnant, attention, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ça va se jouer entre Apursursd, je sais pas comment ça se prononce, Darkness Boy, Gadji, Gamma 326, Lolo Web, Skullcrash, Sorio 26, Step, Sylphid, Dark Pikachu, Ultimatum Sama, Wild Hunt ou Yusex. Est-ce que vous êtes c'est prêts? C'est suspense. Le suspense monte. Tu sais, c'est pas comme si j'allais faire gagner le jeu, tu vois. Le mec, il a juste offert un badge. Mais c'est pas grave. Ça sera votre badge de Hunter. Et le dernier, c'est Darkness Boy. Ouais, c'est grâce au pouvoir du Dark. Voilà, donc donnez vos coordonnées. GG connard. Oh là là. Mais oui, Darkness Boy, Darkness Boy, tu as amplement mérité ton petit badge. Je vous laisse voir avec Aga pendant la pause pour tout ça. Pendant que je vais aller lui chercher à boire et qu'on va allumer le ventilateur parce qu'il fait très chaud. On se retrouve d'ici 5 minutes. A tout de suite. Ouais, moi aussi je reviens. Oh merde, ça est pienne, je crois. Ah, mais. Ouais, mais non, mais c'est bon, j'ai quitté moi. Oui. Oh oui, je. Quand t'as piqué, tu fais. Oh oui. Oh oui. Bon, allez, à tout de suite.
Ouais, désolé les amis, je suis en train de réouvrir une salle là. Il va falloir qu'on... ça va nous prendre juste un petit peu plus de temps. J'ai perdu la connexion, je ne sais pas pourquoi. Donc je dois recréer une salle et les identifiants vont changer. On va changer ça dès que Aga a terminé. Vas-y, fais-toi plaisir. On a pas mis le ventilateur, il fait trop chaud. Ah oui. Ah. Hashtag ventilo. Les meilleurs 70 euros qu'elle a jamais dépensé de toute sa vie. J'espère que vous l'entendrez pas trop, mais bon. Je rappelle que pour aujourd'hui, à la fin du stream, il y aura encore 3 badges à faire gagner parmi les 3 qui nous restent. Donc je sais pas si vous aurez trop le choix sur les monstres, on verra. Sauf si ça vous importe. Un Glavenus et 2 Gamos. Il nous reste un Glavenus et 2 Gamos pour tout à l'heure. Mais il y aura encore les mêmes lots qu'aujourd'hui, demain. Donc vous aurez encore théoriquement 16 trucs à gagner demain. Dont un qui sera par une épreuve de chasse à l'œuf, je pense. Et qui fera gagner 4 goodies d'un coup. C'est quoi un Glavenus? Je sais pas, renseigne-toi sur le wiki du jeu. C'est les 4 grands monstres en fait. C'est Dino Valdo? Ok. Mais c'est les 4 grands monstres emblématiques, ce qu'ils appellent les 4 possédés ou un truc, je sais plus. Non, il y a un nom. Je sais plus lesquels c'est. Le Glavenus, c'est celui qui a les couilles bleues. La grande queue bleue, c'est ça? Comme moi, les couilles bleues. Oh là là, n'importe quoi. Bref. Du coup, j'ai réouvert une salle. Je te donne les identifiants, gay. Changer le code dans le truc. Tu l'as là. Ah bah là-bas ouais tu peux. Mais enfin le live pour l'instant j'ai pas relancé, on est encore sur l'écran de pub. Ouais toujours le même. Par contre du coup on va voir par rapport à ceux qui souhaitent participer pour la prochaine session rapidement. Je sais pas s'il y a des nouveaux qui souhaitent qui s'est rejoint pour une quête. Est-ce que Losno tu veux revenir? J'ai une question pertinente à Gachou, on la reçoit dans combien de temps environ? Alors ça ne dépend pas de moi, c'est le community manager de Capcom qui va vous l'envoyer. Il faut nous laisser à peu près déjà après ce week-end, enfin du coup on va lui passer les trucs demain je pense, enfin pas demain parce que ce sera demain minuit, donc on risque de lui passer les trucs lundi. De lundi il faut, normalement je sais plus s'il est en congé rapidement, et après c'est le temps qu'il vous l'envoie, donc mais ça devrait pas durer trop longtemps. Ça devrait pas prendre trop longtemps, vous devrez l'avoir d'ici peu quand même, je pense qu'il sera assez rapide pour vous envoyer ça, mais ça dépend pas de nous en fait, donc... Donc voilà, ça sera envoyé directement par Capcom. Donc écoutez, il me reste... y a Gilga qui est revenu, ok, cool. J'espère que Gilga n'a pas une arme de gros psycho. Gilga, pourrais-tu changer légèrement ton arme, s'il te plaît? Mais un truc un tout petit peu moins fort, genre une arme violette, si tu veux.
Peut-être pas une jaune quoi. Ouais, montre-moi. Ah oui, que je vous montre, qu'ils voient qu'est-ce que c'était en fait. Il y en a qui ont pas vu. Attendez, je vais vous montrer, c'est ça en fait. Voilà. Vous avez les badges là qui restent. Donc normalement, le Dino Valdo, ou ce qu'on appelle le Glavenus, c'est ça, c'est celui en bas à droite là. Donc il reste deux badges comme ça. Et le vert en haut ? Non. À gauche ? Le Glavenus qui est en bas à gauche. Voilà, il reste encore un badge comme ça. C'est des badges de l'icône des monstres en fait. Que vous pourrez mettre sous votre magnifique béret tel Ken Bogart, tel un Ken Bogart en puissance. Bon, le 20 juillet, quand je reçois le jeu, je le rush pour attraper musique. Bah, t'auras le temps, hein. De toute façon, ça va pas avancer très vite, hein. Tu sais, il va y avoir les sessions multi le week-end. Les badges qui emportent le quel badge sont quand même super jolis, quoi. Salut. Bah, les badges sont cool, ouais. Ça va bien. Bonjour. Ah, mais c'est Gadji, tu as eu le. Ça va bien? Ouais, je te disais juste si tu pouvais juste changer ton arme par un truc. Ah, bah, c'est bon, ok, que parfait. De soutenir. Parfait, parfait. Bah du coup bah on est paré pour la prochaine mission. Ah, alors. Et demain il y aura tout ça encore à faire gagner là, ce que vous voyez là. Enfin pas tout ça mais la moitié de ce que vous voyez sur l'écran là, en fait. Ça c'est tout ce qu'on m'a offert, plus le jeu. Et potentiellement bientôt, si tout se passe bien, si ça marche assez bien les streams et tout ça, que vous êtes toujours en continu beaucoup et que sur YouTube ça marche bien, potentiellement des meilleurs lots, des plus gros lots, donc je sais pas s'il pourra faire gagner encore de faire je viens de voir la quête DLC là, le lot. Je viens de voir la quête DLC, on peut la prendre R1C2. La grosse quête DLC. Comment dire ? Flamme du chaos. Attendez, c'est pas normal, je me suis... J'ai désactivé le son sur le truc et j'entends quand même les gens. C'était bizarre. Ouais, donc je disais, soit des... Bah t'as à peu près la taille réelle par rapport à un badge qui doit être gros comme ça. T'as la taille du sticker qui doit être à peu près grande comme ça. La largeur de ta tête. Et tu souhaites d'une quinzaine de centimètres, je dirais. La largeur du sticker, c'est quand même un truc pas trop mal, je pense. Oui, donc je disais, c'est potentiellement des plus gros lots à l'avenir si tout se passe bien, si vous continuez à être fidèle et... Hein ? Oui, mais je sais, c'est fait exprès. Parce que je voulais pas les entendre pendant que je parlais. Bref, je disais, donc des plus gros lots qui seront potentiellement peut-être des figurines ou des peluches. J'aimerais bien, ce serait super cool. Mais pour l'instant, il faut que ça marche bien. Donc même si demain, n'hésitez pas à revenir demain en force, hein, avec plein de gens et tout, ce serait super cool. Et continuez à partager le fait qu'il y a encore le marathon demain, voilà. Alors, pour le reste, on va entamer notre mission maintenant. Je vais revenir sur le Discord. Fairy Tail, c'est juste Happy en fait. Allô, vous m'entendez? Ouais, c'est Happy. Ah, merci, c'est une mauvaise personne. Allô, tu ressens marié avec Skin. Je crois qu'ils m'entendent pas. Ouais, je préfère l'armure en carton. Oui, bonsoir. Fairy Tail, on a. Heureux. Bon, on va pouvoir entamer, les amis. Je sais pas qui c'est qui voudra juste être en vocal avec moi. Je sais pas si je vais prendre tout le monde, sinon ça va être un bordel. Je peux tarder à partir, moi, de toute façon. Ok. Je me mets dans Live Monster Hunter au cas où et on entame. Heureux tout le monde après cette petite pause et bonjour à tous sur YouTube pour cette nouvelle rediffusion de nos aventures sur Monster Hunter Génération. J'espère que vous allez tous bien. Et on continue donc notre quête dans le rang de chasseurs 2. Avec cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris comme quête. Qu'est-ce que c'est que les flammes du chaos? Mais c'est du niveau 3, les mecs, qu'est-ce que vous branlos? On va jamais y arriver. D'abra. Ah non, ils veulent faire un Glavenus direct. Est-ce qu'on se lance dans un Glavenus juste pour le fun? Non, c'est pas de notre niveau. Je peux prendre mon arme. Par contre, fais gaffe, parce que j'ai une KDSC, donc Glavenus est plus puissant que d'habitude. D'accord, ouais, mais je sais pas si on va le faire maintenant, j'ai des trucs pourris, moi. Bah, ces sécateurs rapportent l'armure Universal Studio Japan. Donc, ça va à toi, si tu veux la faire direct, ou attendre d'avoir un accueil Glavenus. Bah, je sais pas trop, en fait. Sinon, on est censé avoir quoi, là, maintenant?
Parce que je suis préviens, avec ton armure, t'es tout cabré, Gévanus, il touche une fois, t'es mort. D'accord, bah on va pas faire ça alors. Parce qu'avec ton armure, que moins 20 en feu, bah c'est fini avec Gévanus. On a un double Gendrome, on a le Najarala, de nouveau le Yangaruga, le Kedzu. Bon, alors des trucs bien sympas, dis donc. Un Argakuga. Ah, on a à nouveau la Ration et tout ça qui arrive. La Ratian, oh ça. À partir du rang 2, ça revient les mobs cassés qu'on connaît les marches. C'est une petite merde. Ah, le Sénateur Shogun aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va essayer de faire un épisode sympa. Le Darga Kuga. Bah, on a le Darga potentiellement, ouais. Par contre, vous dites que t'as envie de faire un Sénateur Shogun. Il a capturé par contre, hein. J'espère que vous avez des pièges. Ah, moi j'ai chassé. Ah, erreur de communication, très bien. Bah, il y en a deux Narga, je crois, une capture et une non capture. Pour l'instant, la mienne, c'est une capture que j'ai là. Et, oui, et quand j'ai dit aussi pour le Shogun Seator, en gros, je signe, comme le Sirigios. Donc, contre, il faut amener des steaks à point. Écoutez, on va se faire une capture. C'est juste que j'ai pas spécialement envie de reprendre le. Je sais pas si j'ai envie de reprendre le katana. J'ai envie de jouer un. Attendez. Mais non, je veux rendre cette quête. Voilà. Je vais jouer au lance-canon. Qui ça? Au lance-canon. Briski. Ah d'accord, ok. Il est en train là? Il vient de lancer un truc. Ok. Le Brice du Han. Petit Brice. Oh putain, on fait une capture en regard. Ça peut être sympa. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais juste changer d'arme en fait. Vous tentez de couper la queue au moins, on regarde. Ils sont d'avoir quelques d'autres. Ah, mais non, mais mon lance-canon il pue le caca. Mais bon, j'ai tout le temps des erreurs. Qu'est-ce qui se passe? Bah, comme d'hab, le problème des matchs sur portable, c'est qu'il y a quelqu'un qui sont Wi-Fi. Ouais, match, de toute façon, son problème a toujours été la connexion. Donc bon. Ah, t'as des problèmes de Gadjil? C'est la première fois. Tout à l'heure, je jouais avec Lolo, j'avais pas de problème. Comme ce autre but, ce qui était bien, c'est que MH et MH Ethernet qu'on pouvait jouer en câble Ethernet. Je peux me faire un lance-canon un peu plus sympa. Ah, bah voilà, je peux me faire le golem. Mais le golem. Ah, bah non, c'est bien, c'est parfait ça. C'est parfait. On va avoir un peu de dégâts en plus. Non, mais merde. Potentiellement, puis-je l'améliorer? Non, pas encore. Mais bon, c'est pas grave, on aura déjà une arme pas trop dégueulasse. Ouais, non. En fait, laissez tomber pour moi, du coup. Ah, ça passe pas? Non, je sais pas. Depuis tout à l'heure, ça passe pas, là. C'est une tristesse. Lance-canon, oui, il faut que je vienne me mettre en Bushido. J'y ai pensé, et j'ai failli ne pas le faire. Bon, du coup, c'est la tristesse. Bah, je viendrai demain quand j'aurai moins de problèmes de connexion. Et voilà. Allez, bonne chasse. Tu seras bienvenu en tout cas, merci à toi. Plus. On va mettre le petit sprint explosif. Même si on maîtrise pas encore à la perfection. Ah bah attendez, j'ai laissé le. J'espère que ça s'entend pas. Je sais pas, j'arrivais pas à entendre. Je suis désolé si vous entendiez un ventilateur de ouf dans le micro. Ok. Tant mieux. Le ventilo. Le ventilo pour le live. À l'avenir. Ouais, ok. Bah du coup, il reste une place, les amis. Je sais pas qui veut venir. Y a-t-il potentiellement, je ne sais pas, Lost Snow ou. Pas moi, puis je vais avoir un peu d'envie dans ce dos quand même. Je vais avoir un saut pour pas. Mais Franchou, il est plus là, il est parti, non? Il est plus sur le Discord. Qui c'est qui pourrait prendre une place? Bah, Lost Snow, t'as toujours une place si jamais. Rebonsoir, Thomas. Je vais aller manger pendant un attendant. Il y a une place à qui veut. Hein. Une place à qui veut.
Augmente les dégâts des... Non, c'est pas ce qu'il me faut. Augmente les dégâts des canons, voilà, et des lance-canons. Ça, je veux. Bah le hunter est là. Si tu peux juste changer ton arme s'il te plaît. Enfin, je pense qu'il va y aller, j'ose espérer. Parce qu'il est en gros set bien sale. Et oubliez pas de prendre des pièges hein. Ou sinon on fait pas le Narga au pire. Enfin le double Gendrome. On va faire ça dans l'ordre. Double Gendrome c'est suicide. Quoi? C'est suicide parce que à chaque fois dans le beau tapis il va faire par easy. C'est le combo par easy. Ouais. Bah on verra ça. Sans, une chance qu'un Gendrome a été nerf. Ouais. Ah bah pour l'instant Sorio tu passes premier hein, des gens. Si tant est que tu as mis la petite photo sur Twitter. Voilà, ok, d'accord, 9,59 pour Sorio, ça marche. Bah, pour l'instant, tu passes. Ah bah c'est nous des noobs. D'accord. T'en fais pas de Tsunaru, si tu es là demain, tu auras une chance de gagner encore les goodies. Hein. Largement de quoi faire. Ah, une arme verte, enfin! Oui! Et bonjour, The Cool Gamer. Enfin, bonsoir plutôt, vu l'heure. Et bienvenue à toi. Je vous rappelle, n'hésitez pas à tenter de gagner un jeu Monster Hunter Génération avec la commande Raffle pour ceux qui n'auraient pas le jeu ou qui voudraient faire gagner un jeu pour un de leurs copains, je ne sais pas. On vous encourage bien entendu d'éviter de tenter si c'est juste pour revendre le code de jeu. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Kevin. Je me demande en Bushido qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que avec je peux faire en Bushido si jamais ouais j'arrive à claquer un Bushido en fait avec cette arme là. Je sais pas du tout ce que ça va pouvoir m'aider à faire mais. Bah bien avec un lance-flingue en Bushido t'as des moyens de faire des gear points je crois comme la Voltoache. C'est-à-dire recharger ton. Bah au final quand tu mets ton bouclier un Bushido ton bouclier il tourne. Il fait un petit mouvement en train de tourner. Et par là c'est quoi Zetan où il fait un petit tour, bah si t'arrives à protéger son radar, je crois qu'il y a un truc qui se passe spécial. Une sorte de parade. Ou une sorte de riposte. Ouais, y'a le deuxième qui est arrivé. Oh non, c'est pas le game. Tout va bien. Là, l'Arzuros qui est quasi one shot. Ah mince, j'ai pas eu de chance. Légèrement esquivé.
Là, par exemple, ce que je sais pas, si, est-ce que si je. Si je fais ce sprint explosif, est-ce qu'il faut que je le touche à la fin du truc ou au début? Je sais pas trop comment il fonctionne. C'est plusieurs fois que j'ai l'impression de le louper. Une fois, je l'ai réussi alors que je l'ai lancé complètement par hasard. Il y aura pas des doublons hein, pour Raflin, c'est pas possible. Aïe! Tant qu'on n'a pas reset, normalement, c'est pas possible. Bah, comment examen de Norma, Arcos, ton Raphaël était entré? Profitons-en déjà pour savoir qui c'est qui rejoindra la prochaine mission. S'il y a déjà des gens qui veulent s'inscrire pour la prochaine mission. Oh merde, Gun. Oh merde, attendez, je vais juste mettre ma caméra correctement, voilà, bien centrée. Non, putain, merde, j'ai chié, il a sauté dans tous les sens. Oh là là, c'est horrible comme il saute partout ce mob, putain. Avec la vitesse d'attaque de mon truc, je vais pas aller loin. Et ok, c'est passé. Le live de demain, il est de 14h à minuit comme aujourd'hui. D'accord, pour que ça fasse exploser des trucs, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Testera ça tout à l'heure. On va partir un peu au lance-flingue pour cette session-là. Est-ce que je vais réussir à choper des minerais là? Avec un peu de chance. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, hein. Vous êtes encore 50 à cette heure-ci et on était déjà en bonne moyenne 70 quand même hein, tout le long du live. Dans une grande partie du live. Je pense qu'on est à une bonne moyenne de bien 60. Sur toute la journée. Et ça fait plaisir. En espérant que ça dure, hein, puisque de toute façon ce genre de stream. Continueront les streams participatifs comme ça. Jusqu'à que j'arrive à peu près à la fin du multi. Alors du coup, est-ce qu'il y a des gens qui se sont... Il y a Nodam qui veut participer. Ok. Et c'est tout pour l'instant? Je peux encore ajouter que 4 amis, quoi. Putain, c'est chaud. Ce qu'on va faire, c'est que si vous pouvez juste les autres quitter très rapidement. Voilà, ce serait super cool. Pour laisser votre place, quitte à revenir juste après, mais c'est juste question d'organisation.
Rouleau de salami. On prend les boulettes dino comme d'hab. Parle pas de viewer mix, ça les fait baisser. J'avoue, ils se sentent. Je pense qu'ils se sentent un peu. Ils se sentent un peu. Un peu timides ou je ne sais pas. Dès qu'on parle d'eux, ils s'enfuient. Ils voient qu'on les a remarqués et tout. Renonam. Alors, qu'est-ce qu'on va se lancer? Est-ce que j'ai assez. Non, il faut que je m'achète des trucs pour une licence spéciale. C'est pour être marrant de faire ça un de ces coups. Est-ce qu'elles sont difficiles, les licences spéciales? Ah bah du coup, on doit quand même se taper le... Ah mais non, il y en a plein qu'on n'a pas fait. Un conchu... On s'en fout. Le Najarala, voilà. Bah, je sais pas, apparemment y'a personne d'autre, donc si personne d'autre ne veut venir, tu peux rester. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas joué depuis longtemps veut revenir? Allez-y, hein, bah sinon... Sinon, premier servi, comme d'habitude. Mais sinon, dites-nous pour la prochaine, hein, ceux qui veulent se réinscrire, hein. Profitez-en maintenant qu'on puisse vous noter, hein. Ça aille plus vite. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps jusqu'à minuit. Il nous reste 50 minutes. Ouais. Bah Sylphie, en espérant que tu aies ta chance de gagner ton code de jeu. Qui ça? David Shadow? Ouais, bah vas-y, hein. Tu peux venir. Hein. A Blood Ruby, comme d'habitude. C'est toujours ton nom, ça, sur... Est-ce que c'est une référence à quelque chose, tiens, Devil Shadow, en fait? Blood Ruby. C'est fort possible, mais je sais que tu adores appeler ton personnage comme ça, en général. Depuis les tout débuts. J'ai les licences spéciales. Bah écoute, on verra ça tout à l'heure, Hunter. On peut en tenter une, pourquoi pas. Est-ce qu'elles sont vraiment difficiles? Ça, je sais pas. Mais je crois pas qu'il parlait de licences spéciales. Je pense qu'il parlait du... De son nom pour le oui. C'est quoi ton pseudo dans les amis musique? Comment ça, Darkness Boy? Je comprends pas trop la phrase. Mais pas très fort, alors. De la merde. Ah, les licences spéciales sont les variantes des monstres. Ça, je sais très bien. Du coup, c'est... Mais ils se battent pas du tout de la même manière. Mais ma question, c'est est-ce qu'ils sont très difficiles par rapport aux mobs de base? Et par rapport au rang à laquelle on les débloque, en fait. On pourra bien voir. Tu m'as accepté, mais je te vois pas connecté. Bah, normalement, c'est Music Box, hein, mon nom sur la 3DS. C'est des GTA, c'était j'ai déjà, enfin, je t'ai déjà rajouté normalement, donc voilà. Oui, ils font très mal. Ok, bah on pourra en tenter un, hein, pourquoi pas. S'il y a des gens chauds, on pourra en tenter un, moi ça me va. Histoire de finir en beauté tout à l'heure. Dragon qui veut se réinscrire pour la prochaine.
Allez, c'est parti. Pour un Adjarala, ça va nous rappeler des petits souvenirs sur MH4U, tout ça. On peut la tenter, mais il faudra qu'on soit bien chaud, quoi. Je vais prendre une viande paralysante, au cas où. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent prendre des trucs. Personne prend. Ok. Il y a Lord Bronzeboy qui a eu un peu. Ah, merde. Il faut qu'on quitte. Bah, pourquoi? Ce n'est pas grave, nous allons relancer. Sur quoi on trouve des os jumbo SVP? Il y a pas mal de monstres, hein. Il y a le Bulldrome, il y a potentiellement le Tetsukabra, tu as également le Volvidon aussi, où j'ai vu qu'il y en avait. T'as pas mal de monstres un peu comme ça, tu dois peut-être en trouver aussi sur les Ars du Roi, c'est tout ça. Tous les monstres à peu près de cette taille-là, en fait. Des monstres qui sont des monstres qui ne sont pas des Wyvern aviaires et tout ça. Des monstres qui peuvent avoir vraiment des gros os, en fait. Plein de monstres peuvent en looter. De la Gombi, par exemple, voilà, tout ce qui est un peu animal et tout ça. Jarala, c'est par là. On n'est pas encore dans les grands monstres très passionnants aujourd'hui, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de parler de crème Mont Blanc, putain. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse en même temps? C'est la pire des choses en même temps. C'est genre, c'est trop bon, mais en fait, si vous savez comment elle est faite et ce qu'il y a dedans, la crème Mont Blanc, quoi. Il me donne faim à parler de bouffe sur le chat, comme d'habitude. Et j'ai hâte de tester ces fameuses variantes, là. Histoire de voir si le gameplay change vraiment drastiquement ou non. On aura l'occasion de voir ça tout à l'heure, si tout va bien. Tu préfères la raclette musique? Ouais, mais j'en mange plus beaucoup parce que vu qu'Aga elle est intolérante au lactose, je ne mange plus beaucoup de raclette, Tsunaro. J'évite. Quand elle est pas là, j'en ai mangé. Elle était pas là deux fois cet hiver, j'en ai mangé, tu vois, mais... Enfin, théoriquement, je pourrais manger du fromage si je voulais, tu vois, mais éviter parce que, avec les odeurs et tout. Et je te parle pas de la raclette, quoi. Le truc que quand t'en fais, ça pue dans ta maison pendant deux jours. Même si t'ouvres les fenêtres. Même si t'ouvres les. Raclette hors rito. Je préfère les danettes. Bon, c'est à peu près équivalent. Mais c'est vrai que la Mont Blanc, ça date d'une époque aussi. T'en avais plus parce que t'as acheté une grosse canette de Mont Blanc et tout. Tu pouvais plus te péter le vide qu'avec juste un pot de danette. Tout le monde, on donne faim à tout le monde. Moi, je pense qu'on va aller à Magou. On va prendre des donuts dans l'heure qui suit. On a le drive pas loin de chez nous jusqu'à 1h du matin au McDo. Normalement, on est au régime, et la dernière fois, on est passé près du McDo à pied. En attrapant des Pokémon, alors on s'est dit, vu qu'on a beaucoup marché pour Pokémon Go, on s'offre le droit de manger un donut, tu vois.
Pourquoi j'ai deux charges? J'en ai rechargé. Ah mais j'ai que trois charges sur celui-là, j'en ai pas 5. Comme le tout premier. J'aimerais même claquer mon feu de wyvern sur la queue. Putain, on n'y voit rien. Je vais être coincé, je vais me faire exploser. Ah non, il peut pas quand c'est comme ça. Sauf quand il tourne comme un enfoiros. Attendez, on va tester la technique du sprint explosif. Mais il ne veut pas se lancer, pourquoi? Ah d'accord, ça fait une explosion à la fin en fait, si jamais on appuie sur X. Je vois, ok. Ah merci à celui qui m'a potentiellement à moitié sauvé la vie. Oh non, je vais rester coincé comme une merde. Ah non, c'est bon. Heureusement, il est buggé celui-là. Il est légèrement buggé. Par contre, ils ont pas fini. J'avais pas de premiers soins. Je vais avoir des premiers soins, c'est ça. Ah, la fausse piégée. La fausse piégée du diable. Allez, vite. Pas très bien là, putain, je suis pas bien posé, je me prends les coups de tout le monde. Ah, bien joué ça. Bien joué, j'en profite pour aiguiser rapidement. Non, me tapez pas dessus par pitié, me tapez pas dessus, putain, me tapez pas dessus. Oh là là. Ça par contre, le friendly fire sur ce jeu, c'est d'un chiant des fois. C'est vraiment... des fois c'est plus chiant qu'un monstre en lui-même, quoi. Non, j'ai cru que je pourrais peut-être l'atteindre avec un peu de chance. Ah! Péter une patte avec un peu de chance. Et merci pour le follow à je ne sais trop qui. Ah non, 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 je me suis fait capturer, putain. Plus de peur que de mal. Ah, ça peut être pas mal ça. J'ai peut-être dû lui faire mal un petit peu. Bon, je vais exploser dessus. Bah, si, ils étaient là mes premiers soins, je sais pas pourquoi je les avais pas tout à l'heure. Oui. Ah, en plus après l'explosion, je peux refaire A aussi. Ok, super. Bon bah du coup ça va être bien pété. Surtout qu'en général ça se recharge assez vite. Ça roule. Je vais y penser. Pour le follow, merci à Thibaut X Crazy. Et merci à Derno XX. Une shape, n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Vous l'entendez pas derrière, mais elle raconte des conneries. Hein.
Des fois ils doivent se demander mais qu'est-ce qu'il raconte, à qui il répond, pourquoi il dit des trucs qui n'ont aucun sens. Mais derrière il y a des conneries qui se débitent hein. Oh là là. Elle me dit je déroule des conneries comme certains déroulent des maîtres de sexe. Bien entendu, elle faisait allusion à moi, hein, je pense. Tout le monde le sait. Eh bien, Thibaut, toi qui viens d'arriver, est-ce que tu as le jeu? Est-ce que tu veux potentiellement participer à la prochaine quête? Un insecto? Ah non, je suis vraiment pas fort avec ça. Et surtout que j'ai pas testé depuis la nouvelle... Depuis le nouveau gameplay en fait. Surtout que je me demande quelle est l'utilité d'utiliser cet insecto glaive alors que maintenant tout le monde peut jouer voltigeur quoi et utiliser à peu près le même intérêt qu'avait le bâton à l'époque. Mais avec des armes beaucoup plus sympas à jouer. Non, pour aujourd'hui je m'aventurerai pas, je testerai un petit peu ce genre de truc à côté, mais voilà. Ah ouais déjà ? Ah bah il est 30 hein, presque. Ah bah ouais, bah écoutez on va se faire une grosse quête alors, je pense que Hunter il faudrait qu'il vienne. Je laisse une passe pour Hunter, on va se faire un gros mob. Thibaut, je sais pas si toi du coup tu voulais participer, mais sinon on va t'expliquer comment ça se passe. Et il me faudra encore une place. On n'aura pas fait grand chose pour cette session mais. Boulette de dino. Ah, tu es débutant. Bon, alors attention, parce que là, ça va être une quête compliquée. Mais dans tous les cas, si tu me follow, demain, il y aura de la place pour des quêtes peut-être plus simples. Là, notre marathon pour ce soir est terminé quasiment. Mais ne t'en fais pas, demain tu as de 14h encore jusqu'à minuit pour venir participer, gagner des goodies. En tout cas, reste jusqu'à la fin du stream, tu auras des chances de gagner encore un petit lot. Après cette quête, on fait gagner un lot normalement. Enfin, trois petits lots en fait. Donc voilà, si tu as ta chance de choper un truc, reste dans le coin et repasse surtout demain. Alors, du coup, il nous faut Hunter. Et pour les autres, si vous voulez bien laisser votre place, potentiellement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut revenir. Il me semblait qu'il y avait des gens qui voulaient revenir. Que tu as noté. Dragon qui revient avec Hunter et... Et c'est tout. Il n'y avait pas d'autres personnes, j'avais pas noté quelqu'un d'autre. Le monstre, je sais pas, on va peut-être faire un des deux. Soit le... Il faut qu'on fasse soit l'ermitor point de fer ou je sais pas quoi. Soit le Lagombi Maître Neige. Potentiellement, autant vous dire que je préfère l'Ermitor au Lagombi. Mais on peut se faire le Lagombi, c'est pas un souci. Un des deux, je ne sais pas lequel. Au choix, ce sera à Hunter de décider. Pour gagner le jeu, c'est demain. Non, tu peux participer maintenant, on fera un tirage au sort plus tard parce qu'il faut également que les gens participent sur mes rediff YouTube. Parce que j'ai qu'un code à faire gagner et pas deux, malheureusement, sinon j'aurais fait gagner Twitch et YouTube, mais c'était pas possible. Peut-être que j'aurai d'autres codes à l'avenir, mais en tout cas pour le jeu, c'est... Tu peux participer dès maintenant, et le tirage au sort se fera dans la semaine, voire le week-end prochain à peu près. Enfin, en gros, ça sera courant de la semaine. D'ici une semaine, il y aura les résultats. Donc vous serez contacté soit par MP Twitch, soit sur YouTube via une vidéo annonce ou des choses comme ça. Voilà. Donc n'hésite pas à me suivre sur YouTube et les réseaux sociaux, etc. Également. Alors du coup, bah il reste le Hunter, bah du coup il y a Wolf qui va rester, c'est ça? Je sais pas si t'auras une arme assez forte pour le coup. Pour moi t'auras déjà une armure, c'est déjà ça. Quel âge j'ai? Bientôt 30 ans les amis, bientôt, mais pas encore. Ah, bah toi. D'accord, mais peu importe.
Le Mugi est le plus simple avec ton arme. Ah bah si tu le dis. Ça dépend, hein, pas forcément. Hein. L'Armitor ne peut ne pas trop bouger et être facile de, d'accès en fait. Alors que la Gombi bouge énormément et avec mon arme qui n'est pas super mobile, c'est plus difficile. Je pense qu'il parle pour le jeu, Makaga, mais... Si vous voulez participer pour le jeu, on va vous expliquer, il faut taper le mot rafle avec un point d'exclamation juste avant. Il faut RC2 minimum. Wolf, je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi. Attention, attention. Je vais devoir te jarter, mon ami, je suis désolé. Mais tu as déjà eu de quoi faire aujourd'hui. Alors du coup, j'arrive jamais à retrouver. Voilà, c'est multijoueur. En tout cas, n'hésite pas à revenir demain, hein, tu auras toujours ta place. On cherche un RC2 du coup. On cherche un RC2 donc Wild, tu peux venir si tu as... Sinon ça va être compliqué. Re musique. Ah re. Je vais peut-être essayer de me retry pour voir. Ok, ça marche. Connexion. Ok. Sinon je vais voir, je sais pas si Wildhunt a la... a le... Putain, abandonné la quête. Histoire qu'on rigole un petit coup. Tu vas faire la grande quête là? Je vais faire une mission spé là. Enfin... Ah, une quête spé. Spéciale. Ouais, je pense qu'on va faire le Lagombi je crois. J'ai pas fait attention. Lequel des deux. Ok, j'arrive alors, je vais essayer. Faut que je rachète des aiguiseurs, j'en ai plus. Oh Saint-Denis, que ma connexion ne trépasse pas. Ah j'espère pas. Ok, bah Galgil, hein, si t'as une place du coup, si jamais. On go try. On a un petit peu de temps, si elle risque de prendre une bonne vingtaine de minutes. En plus, j'étais pas chaud pour la quête que j'étais en train de faire. J'étais en train de ramasser des œufs avec un gros osio à côté de moi là. Et pour ceux qui s'intéressent, d'ici le début du live de demain, 14h, n'hésitez pas à passer RC2. Hein. Ça sera plus utile si vous arrivez à rester à mon niveau parce que j'ai pas énormément farmé pendant les let's play. En gros, je farm à côté en fait du live en général. Et pendant les lives, j'essaie d'avancer tranquillement avec vous à faire des quêtes pas redondantes quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens que ça avait saoulé sur d'autres let's play à l'époque, le fait de farmer comme des gros sacs. Donc du coup, j'essaie de farmer en dehors et d'avancer tranquillement et faire des nouveaux monstres à chaque fois avec vous quoi. Du coup, au pire, passe juste sur une arme violette, Gadji. Une arme violette? Ouais, c'est possible. Une arme plus forte. Ah, mais c'est plus fort? Bah, le jaune, c'est plus fort. Ouais. Ah oui, non, mais le jaune, c'est plus fort, ouais, mais je disais une arme moins forte, justement. C'est peut-être un peu trop élevé, là, pour le coup. Et merci à DibloXGamer pour ton follow. N'hésite pas à rester dans le coin, il y aura un petit giveaway tout à l'heure d'ici la fin de cette mission. C'est pas une quête compliquée, ça? Normalement, ouais, mais bon, je sais pas si t'es censé déjà avoir des armes jaunes à ce niveau-là. Si tu les améliores, tu peux. Ouais, faut-il avoir déjà les composants. Bon, bah bref, c'est pas grave, tant pis. Oh, tant en pis. Plus, c'est de l'eau, ça va. Tant pis, moi j'ai une arme de merde, ça compensera. Ça compensera. Et bonsoir, Goldoom. Tu arrives un petit peu tard, c'est la dernière quête, mais elle sera intéressante. Mais n'hésite pas à passer demain. Je veux dire ça à tous ceux qui vont arriver maintenant, les pauvres. T'aurais dû faire ça avec le Glavinus. Ouais, le Glavanus, tu veux dire, il m'aurait déchiré. C'est une carte. Oh là, j'ai du mi lag, j'ai l'impression, c'est ouf. Dans la boîte. Reefer TV qui demande, il y a des MH sur PC. Oui, il y a des MH en online, mais pour ça, il y a Monster Hunter Online et Monster Hunter Frontier. Mais Frontier. Je te conseille... Frontier, enfin Frontier à l'anglaise, quoi.
Mais je te recommande d'aller voir des tutos sur YouTube parce que ce ne sont pas des jeux qui sont européens. En général, ils sont en japonais. Peut-être qu'il y a pour certains, t'as des possibilités d'avoir des patchs de langue peut-être en anglais pour un des deux. Je sais pas. À moitié traduit pour général le online, je crois. Le online est peut-être à moitié traduit. Mais moi, je me suis pas du tout adonné à ces deux opus, donc. Je pourrais pas t'aider là-dessus. Peut-être des gens dans le chat pourront t'expliquer, hein, qui ont dû y jouer. Pas mal l'intro de Pillars of Eternity avec des monstres sur le sol. Ah, c'était l'époque où je pouvais m'amuser à faire des let's play avec des bonnes intros. Toujours aimé ça, mais. Faut le tuer, c'est ça? Théoriquement, ouais. Ça m'arrange, oula. N'hésitez pas, du coup, hein, j'ai fait beaucoup de let's play sur YouTube et je vais encore. Je vais peut-être pouvoir m'y remettre là tranquillement. Un petit peu, mais voilà. L'essentiel de mon activité se passe sur YouTube normalement. Allez, c'est parti, on va bien rigoler là. Avec son gros cul. Et il est plus gros. Ah bah clairement. Merci pour le follow à je ne sais pas qui va me faire tuer. Ah bah Riffler, ok. Pardon, Riffler TV. Merci beaucoup et bienvenue. Aïe aïe aïe. Oui, pour capturer la 3DS, effectivement, j'ai une 3DS capture. Que j'ai payé une blinde parce que j'ai dû envoyer ma 3DS au Japon à l'époque. Par contre, je n'ai pas de new 3DS capture, hein. Je suis sur une 3DS XL. J'avais pas les moyens de payer une nouvelle capture pour une new 3DS, ce qui est un peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas les moyens en ce moment. Ah non, les gens qui me touchent à la fin de mon combo, c'est tellement triste. Sorry, c'était moi. Merci à Lightstarter et bienvenue sur le stream. Merci beaucoup pour le follow. Ah, dans son gros cul. Dans ton gros cul. Petite explosion. Voilà. Attention. Ouais, j'ai bien fait de mettre le bibou. Ah, attention, j'ai des trucs explosifs. Il va falloir que je pense à utiliser ça. Je vais juste voir si. C'est rien que j'élise maintenant. Oh putain, mais c'est quoi cette boule de neige? C'est quoi cette boule de neige? Ok, bon bah j'ai tenté, mais c'est pas passé. C'est ce que je vous disais en fait, la Gombi c'est trop mobile pour moi pour pouvoir tenter ce genre de truc. Et merci Goldum pour le follow et bienvenue. Comme je voulais vous dire aussi, bon, demain il y aura la suite du marathon de 14h à minuit avec toujours des trucs à gagner, etc. Mais n'hésitez pas, et merci Sylphid, n'hésitez pas à. Comment dire. À me suivre sur Twitter parce qu'il y a possibilité que je fasse des fois des sessions de chasse pour farmer un petit peu. Hors stream et du coup vous serez prévenu par là je pense. Non non non. Mon dieu, la moitié de mes PV. Je vous mettrai des idées de la room sur Twitter, des choses comme ça. N'hésitez pas. C'est aussi relayé sur Facebook hein, donc. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Waouh. La prochaine fois je prendrai des nettoyants. Ah putain, mais à chaque fois je me fais niquer dans mon combo, c'est relou. Ah, le friendly fire c'est trop chiant sur ce jeu. Ah mais putain, mais c'est horrible. Oh là, on est pas dans la merde là tous les... Dragon vient nous sauver. Un petit coup de pied. Ah bah il a changé de zone en plus.
Ah, pas trop tôt. Ah là là. Ah non, c'est vrai que le Friendly Fire c'est chiant quoi. C'est bien certains moments, mais là c'est un peu chiant quand même des fois dans les combos. C'est plus chiant, Friendly Fire, c'est dans Yoshi Woolly World. Agui qui me dit le Friendly Fire le plus chiant c'est celui de Yoshi Woolly World. Et de Mario. Putain, mais pourquoi il. Ah là là, je suis dans la merde. Et de Mario 3D World et tout ça quoi. Surtout avec le mec qui a la tablette. Ah oui, comme celui qui met des blocs avec la tablette, ouais. Celui que tous ses amis ont surnommé FDP. Ça va, Dragon, mon dos comme tremplin, il t'aide bien. Par contre, c'est super chiant là, le. Putain, la glace, là, je suis en train de perdre toute ma stamina quoi. Allez, on va tenter de. Oh la tristesse! Et un KO! Allez, hein. Bim! Ah bah non, ça marche pas, putain! La bombe Sonic, je sais pas quand est-ce qu'il faut qu'on l'utilise sur lui du coup. Quand il porte la boule, peut-être. Allez, dans ton gros cul! Voilà! Pour l'instant, j'ai cru qu'il avait sauté à cause de ça. Désolé, Gadji. J'espère que je t'ai pas foutu en plein dans lui en plus, si. Non, non, c'est bon, c'est juste que j'ai la frame d'invisibilité. Le Hunter, t'abuses. Allez, on va aiguiser un petit coup. En plus, on a le sprint qui arrive. Mais avant ça, il faudrait que je. Hop, je recharge un coup. Non, pas sur moi, mon ami. Oh non, pas la boule de neige. Faudrait mettre la bombe Sonic là, en fait. Genre quand il fait ça. Ça peut lui retomber sur lui. Ouf. Ouais, c'est possible, peut-être que c'est là. Je sais pas, ça prend un fois que je le vois. Moi, je connais pas très bien Monster Hunter G. Gen, en gros, je pense. Peux-tu me dire s'il y a de nouvelles armes? Il n'y a pas de nouvelles armes, mais il y a un gameplay complètement différent. C'est-à-dire que tu as des styles de combat, en fait, qui viennent s'ajouter et qui changent un petit peu le style. Avec... C'est-à-dire que tu as 4 styles qui viennent, par rapport à tes armes, changer la façon dont tu vas combattre. Tu as en plus de ça des... Regarde dans mon petit écran, le petit écran de la 3DS, tu as des arts de combat qui se chargent avec la barre rouge là, et qui sont des attaques spéciales entre guillemets que tu charges à force de faire des coups, etc. Ah mais il mange. Ah là je lui ai mis le combo, voilà. Et là il bougeait pas donc c'était cool. Ah, monté. Ah bien joué. Je sais pas si on peut toujours le taper, enfin si on peut le taper. Ah si, là on peut carrément le taper maintenant en fait. Ah c'est cool ça. Apparemment dans celui-ci tu fais pas tomber les mecs en tapant dessus. Ça c'est cool. Ça c'est un bon ajout également. Ah, il a pas réussi. Dommage. Bon, on voit maintenant la petite barre de progression sur le côté, à moins qu'elle y était, j'ai jamais fait gaffe. Ouais, la petite barre bleue aussi. Ça c'est cool également. Non, il y a quelques bons ajouts par rapport au gameplay. Ah, t'as une bombe, non, tu veux pas. Mais les combos de base du coup changent complètement. Non, ça marche pas du coup. Il y a des coups que tu peux faire en moins en fait en fonction du style que tu choisis. T'as un style qui reste potentiellement celui du style classique. Tu as un style qui te permet de sauter en l'air plus souvent, etc. Ah merde, putain, mais je peux plus. Eh, tapez-moi parce qu'il faut que je puisse faire mon feu de wyvern là. Merde, t'es où? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. La tête est cassée. Ah bah c'est pas maintenant. Ah putain, j'ai fait mon Bushido mais ça va pas passer. Concrètement super bien. Ah il est pas facile ce lagon, mais il a l'air d'avoir des HP quand même. Ah c'est déjà une RC2, un peu plus. Ah ben voilà, bien joué. Voilà, quand... Il a beaucoup d'HP, ouais, il vient de mourir. C'est ridicule ce qu'on vient de dire. Bon, il a quand même pris cher avec les pièges et tout. Ouais. Après, est-ce que leurs stuffs sont sympas? C'est fort possible aussi. Bah la quête est RC2, donc ça doit être du stuff RC2. Voilà, bah écoutez les amis, on arrive à c'était notre dernière quête pour aujourd'hui. On arrive au dernier petit quart d'heure où
On va pouvoir décider du dernier gagnant. Enfin, des derniers gagnants. Et notamment du gagnant du Time Attack. Qui gagnera 4 goodies d'un coup. Attention. Pour être magnifique. Un lot de 4 stickers. Oh, on a mis 5 minutes et que... Bah attends, c'est pas normal, Arcos il, cool, a, il a retapé Raffle, il l'avait tapé tout à l'heure et puis ça marche. Ça l'a re-ajouté. Raffle, je pense pas qu'il est tout bon quand même. Pour MH4 Pour MH Gen, ouais. Est-ce que je suis parti? Bah tout dépend si t'as un pote à qui filer le code quoi, sinon si c'est pour le revendre ça vaut pas trop le coup mais bon. Non, je le revendrai pas. Tueur Maître Neige, oh, c'est quoi ça? Ouais, c'est bizarre, j'ai pas un. Bah, normalement. J'ai eu un TK. La raffle elle reste open. C'est du con que je vous fais l'in, je sais pas encore. On verra ça, il faut que je teste d'abord. Là, je me sens pas trop de tester tu ça là. Plus avec la quête DLC. En tout cas, voilà, j'espère. Pour ceux qui regardent la rediffusion YouTube, que ça vous aura plu, cette petite découverte ben, des quêtes spéciales avec les variantes de monstres. En tout cas, ils ont l'air assez coriaces, hein, même si là, ça s'est pas trop vu, mais quand même. Hein. Parce que là, on avait quand même des gens qui avaient un petit peu de stuff et tout, mais je pense qu'ils sont pas si simples quand même. En tout cas, bah, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, comme d'habitude, et à partager. Et pour ceux qui sont sur le live, nous allons donc tout de suite nous occuper de faire le tirage au sort des derniers gagnants pour aujourd'hui, avant de se retrouver demain à 14h, toujours pour des petits cadeaux. Alors...